les pronoms y et on. Le pronom on. On remplace un objet déjà spécifié. It means some or any or one in English. On est placé toujours devant le verbe. L'emploi ou les trois situations pour on. On remplace un article partitif de, du, des, etc. plus un nom. As-tu du pain? Il veut de la pomme. Nous avons combien de bananes? Oui, j'en ai. Voilà, on a répondu la question, on a changé tu à la question je à la réponse. On a conjugué le verbe avoir avec je et du pain, on l'a remplacé par le pronom on parce qu'il y a un article partitif. Il en veut. On a remplacé de la pomme par on parce qu'il y a l'article partitif de la. Nous en avons trois. On a remplacé de bananes par l'article en parce qu'on a l'article partitif de. La deuxième situation, on remplace les adverbes de quantité. Tu voudrais combien de livres? J'en voudrais deux. On a combien de? Et pour cela, on a remplacé les livres par on. J'en voudrais deux. Tu as assez d'argent? J'en ai pas assez. La troisième situation, on remplace deux plus un nom avec les verbes qui utilisent deux. Par exemple, vous parlez du voyage, c'est du avec le verbe parler. Donc, on va remplacer le voyage par on. Nous en parlons. Vous avez besoin d'un crayon? Oui, j'en ai besoin. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Qu'est-ce que vous en pensez? Le pronom Y. Le pronom Y représente un endroit. Y est aussi placé devant le verbe. Y peut remplacer un endroit. Vous allez en
Côte d'Ivoire. Nous y allons. Nous y allons. Tu vas au supermarché. Au supermarché. Oui, j'y vais. Oui, j'y vais. Ton sac est dans ta chambre? Dans ta chambre? Vous allez aux États-Unis? Non, je n'y vais pas. Ton sac est dans ta chambre? Mon sac y est. Le pronom Y peut remplacer des objets non humains qui suivent. Qui suivent la préposition à. Tu penses encore à l'examen? Oui, j'y pense. Vous avez répondu à la question? Oui, nous y avons répondu. Des expressions communes. Il y a, ça y est, ça y est. Il y en a, il y en a. Il y a combien d'États aux États-Unis? Il y en a 50. Voilà, c'était notre leçon d'aujourd'hui. Le pronom on et le pronom y. On a trois situations pour le pronom on et deux situations pour le pronom y. Merci et au revoir.